Hey Kyoledialiste, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop content de enfin pouvoir sortir cette vidéo parce que j'ai reçu 5 boîtes du Hell Overload. Gros big up à mon partenaire Le Coin des Barons qui m'ont fait parvenir ces boîtes aussitôt qu'ils le pouvaient. Ils ont eu des soucis de livraison et on les excuse. Voilà, je suis trop content aujourd'hui de pouvoir ouvrir tout ça. La bonne nouvelle, c'est que d'habitude, j'ai aucune chance sur les ouvertures parce que je cherche quelque chose. Concernant Dual Surcharge, je ne cherche rien. Voilà, il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça. Du moins, c'est ce que j'ai envie de me dire, l'histoire de forcer un peu la chance. On verra bien. Dans cette extension, il y a énormément de cartes super cool. On a des rééditions comme Infinite ou encore le petit fantasmé, tout simplement. Voilà, c'est beaucoup trop cool. Globalement, je vous le dis avant même de commencer la vidéo, à l'intérieur, donc on a 6 boosters de 5 cartes et une carte géante. J'ai 5 boîtes, donc il y a potentiellement des chances que j'ai des cartes géantes en double. Si toutefois c'est le cas, je vous les offre. Voilà, elles sont pour vous. On vous reparlera de ça à la fin de la vidéo. Moi, ce que je vous dis avant de commencer la vidéo, bah, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et puis, eh bien, tout simplement, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. On passe à toute ouverture. J'ai beaucoup, beaucoup trop hâte. C'est parti. Ok, donc première boîte. Tac. Bah, je vais vous la présenter un petit peu quand même d'abord. Donc on a nos boosters à l'intérieur. Les boosters changent, n'ont pas tous les mêmes illustrations en fonction des boîtes. Et puis à l'intérieur, derrière, on nous dit qu'on a 30 nouveaux liens, que ça contient tellement de monstres liens que ça surcharge le système. Voilà, c'est toujours un petit peu fun. J'ouvre cette boîte et on va pouvoir, eh bien, tout simplement, se l'ouvrir. J'ai bien trop hâte. Oh, regardez-moi cette carte géante. Oh, elle est tellement... Vous savez quoi? Les cartes géantes, on va les mettre de côté et on les ouvrira ensemble à la fin. Alors comment ça s'ouvre? Un guignol, moi, pour les ouvertures. Hein. Non, c'est bon, nice. Tac, ok. Eh bien, let's go. Hein. On a nos 6 boosters. Le premier booster, c'est le nouvel artwork de Cyberdragon Infini. Donc, ben, on va tenter ça. Hein. Bon, je le trouve beaucoup moins beau. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Moi, je préfère l'ancien, quand même. Alors, oui, monsieur, ça commence plutôt bien. Ça, c'est une bonne carte aussi. Ok, ça marche. Bah écoutez, franchement, commencer avec une petite cyber-urgence qui était montée à 80 balles l'année dernière lorsque ça jouait Orcus Cyberdragon, bah je vous cache pas que ça fait plaisir, hein, clairement. Et puis bah, je vais pouvoir compléter mon deck Cyberdragon, donc on est content. Alors, du Bujin, ça c'est cool parce que je joue un deck Bujin, du Mage et du Mousquet, petit Psy Omega, ça fait plaisir. Alors, Terraformation en Ultra, c'est extrêmement cool. Et derrière, on a de l'Inist. Je sais pas pourquoi je commençais à mettre des cartes de côté alors que il n'y a que des ultras, donc il n'y a pas besoin de. Ah, par contre, j'ouvre super mal ces boosters. Quel sacrilège. Oui, monsieur. Petit Sinnet Minage pour commencer. Est-ce qu'on est content? Oui, évidemment. Petit Compulse. Du Cubic, ça c'est cool. Et un maître de la vanité. Voilà, bah, écoutez. Première boîte, on a un cyber-urgence, un Signet Manning. Je vous cache pas que je suis assez content. Hein. Celui-là, je l'ai bien ouvert. C'était quoi comme booster? Ok. Alors, du Makahashi. Du Hérétique. Débordement cybernétique en ultra, elle est jolie. Du Vidasroïde et. Alexto. Hop. Bah, galère, dis donc. Alors, du Traptrix, la nouvelle Traptrix. Grenouille Démon, elle est vraiment belle en ultra. Elle est encore plus belle en ultimate, mais elle est belle en ultra. C'est pas d'Incendie Flamme. Il est beau, hein. Franchement, il est beau. Et Déesse du Chaos. Et dernier booster de cette première boîte. Alors, sachant que je vais ouvrir les 5 boîtes dans la même vidéo. Hein. Je vais pas faire 50 vidéos, j'en fais une seule et on ouvre tout ensemble. Ange déchu condamné. Condamné, pardon. Elle est vraiment très très belle. Et d'ailleurs, petite info, on voit bien la couronne de pique qui n'a pas été censurée. Donc ça, je suis passé rapidement, mais c'est Jeanne Protectrice, du Vitesseroïde, du Véhicuroïde, pardon. Numéro 27, et derrière, pilule double évolution, d'évolution double. Et bien alors, c'est plutôt cool, on va faire un récap de cette première... Bon, on fera un récap tout à la fin, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les 5 boîtes, je vais passer ça rapidement, l'histoire de pas perdre de temps et pas vous faire, vous faire attendre pour rien. Je vous mets ça en accéléré, et nous, on se retrouve juste après.
Ok, j'ai dû couper la vidéo tout simplement parce que j'ai eu un problème d'enregistrement avec mon téléphone et en fait tout va bien, j'ai pas perdu le fichier, j'ai eu beaucoup trop peur. J'en ai profité pour ouvrir toutes les boîtes, tous les boosters sont juste ici. On va pouvoir continuer. Je suis très content de cette première boîte parce que mine de rien, c'est pas trop mal comme tirage, hein, clairement. On va pouvoir enchaîner tout ça. Let's go, hein, clairement, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'ai eu très très peur quand même pour l'enregistrement hein, parce que bon, je vous cache pas que 5 boîtes ça a un coût. J'ai eu peur de perdre l'intro de cette ouverture et ça m'aurait beaucoup ennuyé. Jingersou. Très bien. Petit Fuma, du artisan sorcière et le roi Dididi. Jingersu qui fait plaisir, hein, clairement. Carte qui était à 30 euros, qui passe à moins d'un euro. Ça fait plaisir, c'est cool. Hein. La petite Teni, ça c'est cool parce que je joue Teni et c'est une très très bonne nouvelle pour moi. Le Fuma à nouveau, acteur des abysses et l'artisan sorcière à nouveau. J'ai énormément de mal à ouvrir les boosters correctement. La petite Selene qui est une bonne carte, hein, clairement. Pour les decks magiciens, je vous laisse lire le deck, vous pouvez mettre sur pause, vous allez voir que c'est pas dégueu du tout. Le petit Almirage qui est cool, puisque j'en avais besoin pour mon point de feu. Et ça, c'est beau comme carte, une vieille carte, ça fait plaisir. Voilà, je l'ai bien ouvert celui-là. C'était quoi ça? C'était le Gaïa qu'on a vu tout à l'heure. Alors, dragon affamé, le petit jeune protecteur qu'on a vu tout à l'heure, du Véhiroïde, le numéro 27 et une deuxième Pills. Ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, cette ouverture est pas dégueu. Dis donc, j'ai l'impression que quand je cherche pas quelque chose, eh bien, l'ouverture est plutôt cool. Ah, du Magidols, ça fait plaisir. Géant des Fallons, formule magique, céleste en ultra et carte du destin. La petite. Je la trouve plus jolie quand même, comme ça. Petite. Le nouvel artwork, tout simplement, de Kagari. Alors, déposséder, ça c'est cool parce que je collectionne ces cartes-là, donc elles vont être dans ma collection. C'est plutôt une bonne nouvelle. Du dragon Anteli. Anceli des ténèbres. Ce moment doit être insane pour vous à écouter. Grand du démon qui est très joli. Magie du mousquet et division corrompue. Alors, Lib, qui est une très bonne carte, puisque c'est un lien 2, pardon, qui se fait extrêmement facilement. Du Fuma, dangereuse cauchemarie, Froureur. Ok, c'est plutôt cool, j'adore les Froureurs, je suis en train de travailler un deck dessus. Et Syntoniseur corrompu. Du Magidols, cauchemar du crâne serviteur. Un petit compulse, causalité cubique, c'est une bonne carte, et un maître de la vanité. La petite Kagari, on en parlait juste avant, bah elle est super jolie. Grenouille démon, le petit spadassin des flammes féroce, géant des vallons, et la petite déesse du chaos. Alors attendez, j'ai mes cartes qui sont en train de se casser la gueule. Tac. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est full rareté. Ça, c'est quand même plutôt cool. Ça fait extrêmement plaisir de voir des ultras. Ça brille, c'est joli, ça fait plaisir. La Traptrix. Territoire corrompu. Elnoir Zephyros en ultra, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'ait pas pris la banliste, lui, tiens. Parapluie Agrusmen et le petit Kingyo Sukui. Ou Zukui, je sais pas, un des deux. Alors, l'ange déchu dont on avait parlé tout à l'heure, le Véhiroïde dont on a parlé tout à l'heure, signe hérétique, le petit débordement, et derrière, on a du Vitesseroïde. Ça fait plaisir de faire une ouverture et de rien attendre en particulier. Genre, il n'y a pas de pression, comme subir urgence, ça c'est cool, mais comme je peux l'avoir habituellement, en mode, j'ai acheté deux displays Rira, il faut absolument que je fasse tomber une Apoluzza, sinon j'ai perdu de l'argent, genre c'est cool. Petit subir urgence, petit dégusto. Petit Magie du Mousquet, le Seigneur Psy Oméga et une Terraformation. Ça ressemble quand même beaucoup au booster du début. Peut-être qu'il y a des suites de boosters qui se ressemblent. Je rappelle qu'on avait eu ça également avec Dupo. Alors, du Rouage Ancien, ça c'est cool. Armoise Floral, ok. Syntoniseur Corrompu, on l'a déjà vu. Du Reptilia qu'on n'avait pas encore vu. Et Verrouillage de Deck, qui était une très bonne carte de mémoire contre Zodiac. Je crois que c'est ça. Parce que ça empêchait de spé du deck, tout simplement.
Alors, du Parsat, du Acteur des Abysses, Roi Dragon en Ultra, qui est une très belle carte. Dragma Kurvik, Dharma, comme Dharma dans Lost, et Gigaplante. On arrive vers la fin, dis donc. J'aurais bien voulu voir l'artwork du Cyberdragon Infinité. Makahashi, Électro-Girafe, ça c'est cool. Dangereuse Fourreur, le Crâne Serviteur et Verrouillage de Deck. Hop. Lib à nouveau, Signe Hérétique, le Ostros de Ferraille, Pills à nouveau et Débordement Sténétique. On a un playset de Pills, hein, si je me trompe pas. C'est plutôt cool, parce que Dino est un bon deck, c'est un deck relativement fort quand même. Hein. Du Makahashi, de l'Emelantal, Sélection Corrompue, Carte du Destin et Psy Omega. Que j'ai en secret, qui est quand même bien plus joli en secret qu'en ultra. Hein. Ce booster était éclaté. Alors, Lib à nouveau, du Cubic, du Magie du Mousquet, Roi Dragon et du Vitesse Roid. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, Cyberurgence, Terraformation, du Feu, Transcendance Synchro et la Link Red Raptor, qui va être très utilisée dans, eh bien tout simplement dans tous les decks BTL, puisqu'elle peut permettre de turbo avec la Synchro Simorg aussi, qui est très très forte. Je galère au booster, hein. Je sais pas ce que c'est encore le même monstre. Chaque fois il nous fait galérer, lui. Là, Cinet Minage, ok, très très bien. Rompu Division, une Électro-Girafe, il me manquerait une pour avoir le playset, ce serait cool, et un petit Twiffon d'Espace Mystique en Ultra. Fait plaisir. Deux Cinet Minage, j'en avais déjà un en CO, donc ça me fait playset, je suis très content. Sauf que le deck Cybers, alors, hormis Salamangreat, hein, c'est un deck qui est sympa à jouer quand même, mine de rien. Du Bujin, Sélection Corrompue, Empereur Rojama, yes. Rouage Paradoxal Corrompu et Maître de la Vanité. Alors, Lib à nouveau, Dharma Kurvik, Jugement d'Emma, du Reptilia et Formule Magique. Ah bah tiens, regarde, on va l'ouvrir à la fin, en espérant avoir un infinité à l'intérieur. Parce que j'aimerais bien voir l'artwork, parce que là il est joli, mais sur une crème, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Du Bujin, du Vitesse Roid, du Paléozoïque, ok, du Parapluie et Gigaplante. Gigaplante, clairement, on s'en fout un peu, hein. Clairement, c'est un peu la carte, elle est dans ce booster, on l'avait totalement oublié alors que... C'est une très vieille carte. Je dirais une carte de 2012, quelque chose comme ça. C'est notre dernier booster. Du coup, du Tenny, du Acteur des Abysses, Roi Dragon, Dharma Cubic. Et la dernière carte, c'est Gigaplante. le karma, quoi. Le karma. Bref. Alors, je suis content de cette ouverture. Je suis content d'avoir fait tomber ça, hein, clairement. On a pas mal de cartes sympas. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Roi Ojama qui est cool, Maître de la Vanité qui est cool, Cinet Minage qui fait super plaisir, Electro Girafe il m'en manque une, c'est dommage, mais bon, c'est cool quand même. Cyber Urgence, Terraformation, c'est vraiment une bonne extension, j'apprécie vraiment ces boosters, je les trouve cool, tout simplement. Pills qu'on a fait tomber au moins 3 fois. Electro Girafe à nouveau. On a quoi? On a eu Terraformation, Cyber Urgence, la petite ange déchue qui est super jolie. Zephyros en ultra qui fait plaisir. La petite Kagari aussi. Hein. On a eu Kagari quand même. Kagari avec le nouvel artwork, c'est plutôt cool. La grenouille démon qui est super jolie, vraiment comme ça. Le petit compulse qui fait plaisir. On a eu un Dingersu aussi de mémoire, si je me trompe pas. On a eu encore une Pills. Une petite Sélène. Un Almirage qui fait plaisir. Un petit Dingersu, j'en parlais tout à l'heure. Cyber Urgence, Net Mining, Pills, Terraformation, ça c'est vraiment cool. Mine de rien, la nouvelle Trap Tricks, elle est cool aussi. Hein. En vrai, je trouve que c'est une belle ouverture. Je suis content de ce que j'ai fait tomber. Alors, on n'a pas fait tomber de toutes les links qui coûtent cher de l'extension, mais on a fait tomber quand même des cartes cool. Et personnellement, ça me va, j'en suis content. Je vous l'avais promis en fin de vidéo, je me suis pas spoil. Elles sont juste ici, et je fais en sorte de pas les voir. Il y en a 5, et bien je vais vous les dévoiler en même temps. Et s'il y a des doubles, et bien promis, je vous les fais gagner. Alors je ne sais pas ce qu'il en est, si ça se trouve, il n'y a pas de double, je n'en sais rien. Mais au moins, on aura eu la révélation et le suspense ensemble.
première Magicienne des Ténèbres, qui est plutôt jolie, et on peut remarquer que c'est la version eh bien, sans le petit pentagramme. Un dragon poussière d'étoiles. Ok, les Magiciens des Ténèbres, ça marche. Ok, bah je vous fais gagner au moins une magicienne. Et la dernière carte, suspense, est-ce que c'est un Magicien des Ténèbres ou est-ce que c'est un poussière d'étoiles ou est-ce que c'est une autre carte? Eh bien c'est un Magicien des Ténèbres, donc je vous fais gagner ces deux cartes. Voilà, c'est tout con, je vous les laisse sceller et je vous les enverrai par la poste. Je vais sûrement le faire gagner à la même personne, ça m'évitera des frais de port et puis c'est toujours cool d'en récupérer deux en même temps. Pour participer, eh bien tu laisses tout simplement un commentaire. Tu laisses un commentaire en disant quelle est la plus grande déjà une carte que tu préfères dans celle que j'ai eue, sachant que j'en ai eu trois, donc c'est pas foufou non plus. Tu lâches un abonnement et tu lâches un pouce et puis moi je tirerai au sort les conditions dans les commentaires, dans la description de cette vidéo de toute façon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Gros big up à mon partenaire Le Coin des Barons, je suis content d'avoir pu ouvrir tous ces boosters. Franchement, ça fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est bête, je vous le répète à chaque fois, mais c'est le meilleur moyen de me soutenir. Si ça vous plaît, bah, tu peux lâcher un pouce et t'abonner. Tout simplement, ça prend 30 secondes et moi, ça me soutient et ça me fait super plaisir au quotidien. Voilà les petits potes, pas grand chose à vous dire de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collection de cartes. Restez chez vous et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!